Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 68, me semble-t-il, 68 de Bleach Brave Souls. J'ai joué d'énormément de malchance, j'ai continué à faire quelques tentatives de loterie pour avoir Yachiru. Malheureusement rien n'y fait, j'ai encore utilisé 500 orbes de plus, j'ai utilisé les 9 tickets désir que j'avais en stock. Malgré tout, je ne l'ai pas, je n'arrive pas à l'avoir. Donc, il me reste là, au moment où je tourne, 2 jours pour réussir à l'avoir. Donc, entre-temps, j'ai fait la loterie. Ah oui, donc, hop, on va partir également avec 10 all tickets de plus. J'ai fait entre deux l'événement à points qui était sorti. Voilà, j'ai juste pris 2 jours pour 2 ou 3 jours, voilà, pour la faire. Donc voilà, donc elle est faite entièrement, ça c'est cool. Bon, on va continuer notre histoire. Non, ça c'est quête. Ça c'est quête coopérative. Oui, donc ça c'était. Hop. Les 13 divisions en difficile. On continue. Memories of Nobody. On est à 56% d'après ce que dit l'icône. Donc, on en était où? Tomoya et son père se retrouvent. Ah oui, donc c'est ça. Donc, Senna voulait. Comment? Senai et Ichigo étaient tombés sur une âme et il fallait ramener, enfin voilà, il devait ramener cette âme à son père. Excusez-moi. Et donc ils arrivent à cette fête où attend le père de l'âme, voilà. Bon. Du gamin qui. Donc on en était à cette scène-là. Scène du film qui est assez cool et qui vire assez glauque. Ça vire vraiment bizarre à un moment. Je ne vois pas mon papa. Ne t'en fais pas, on continue. D'accord. D'ailleurs, ils ont pas mis de sprite. Ils ont pas mis le sprite du gamin. Bon, c'est bizarre. Et zut. Y a énormément d'ennemis qui gèlent là, c'est assez agaçant. Bon. Pourquoi j'ai l'impression que la sensibilité de mon micro a augmenté. C'est très bizarre. Ok, on connaît ce tableau. C'est un tableau déjà qui apparaît, qu'on a déjà vu lors de l'arc d'Ozomi. Tomoya, papa, je suis désolé, pardonne-moi. J'y crois pas. Tu es content? C'est grâce à nous, c'est grâce à vous. Non, je n'ai rien fait du tout. Peut-être que vous n'avez pas remarqué alors. Toutes ces âmes rassemblées autour de vous, ces gens, c'est bizarre, pourtant tu les as appelés. Il est temps de partir. Bye. Pourquoi viennent-ils près de moi? Ichigo, en vérité. Okitake? Rukia, que se passe-t-il?
Eh bien, c'est un ordre de niveau 1 du Central 46. Donne-nous cette fille. Quoi? J'ai examiné les registres des divisions des commandos secrets de l'académie et de la division du Kido. Je n'ai pas trouvé de Senna. De plus, le Zenpakuto de cette fine Mirokumaru a été absorbé par le Koryu entre nos deux mondes il y a une centaine d'années. Par conséquent, il n'existe plus aujourd'hui. Non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Je suis une Shinigami. Alors, quand es-tu arrivé dans ce monde? Eh bien, c'était il y a 2 jours près de la rivière. Mais je me souviens très bien de mon nom. Je connais cette rivière depuis mon enfance. Mais pourquoi? J'étais fille unique et... C'est difficile à croire. Mais l'amas de mémoire que nous cherchons, la Shinenju, c'est toi. Moi? La vallée des cris est apparue il y a 24 heures. L'objectif de Genryu serait de détruire nos deux mondes. Et la Shinenju est un élément crucial pour l'exécution de son plan. Shinenju Senna, la Soul Society, va maintenant t'arrêter. Non, Du calme, je ne suis pas d'accord. Peu importe ce qu'elle est, elle est là avec nous. La colère, la joie, la peine, elle a des sentiments. Et vous allez ignorer tout ça. Vous n'êtes pas différent d'eux. Je ne vous la laisserai pas. Qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est le clan de Genryu qui arrive. Bon, continuons. J'ai tout mon temps pour tourner aujourd'hui, donc j'espère qu'on va pouvoir finir cet arc, enfin le film, durant là cette session, enfin cette session de tournage, peut-être pas cet épisode, mais cette session de tournage. On en est encore loin, on est encore loin de la fin, hein, visiblement. Non, encore eux, derrière toi. Gamin, aujourd'hui, tu vas nous donner la Shinenju. Con, je te la confie, ok. Bon, c'était rapide. Il est bien plus fort qu'hier. Je suis une Shinigami. John Cena! Pardon. Attire-les dans les ténèbres. Cena. Ce motif, pas de doute, vous êtes le clan banni, les Ryo Doji. Je ne suis pas au courant. Nous sommes le clan des ténèbres, les Dark Ones. Et toi, lâche-moi. Senna. J'arrive. Je ne laisserai pas Senna. Ichigo. Ichigo! Non! Bon, voilà, Ichigo se fait blesser, mais comme un débutant. Alors, je crois pas qu'au moment du film, d'ailleurs, je crois qu'on le voit pas du tout utiliser son masque. Apparemment, il a pas. C'est très bizarre, il a pas le niveau. Le niveau Vizard, apparemment. Hein. Puisque, de mémoire, il n'utilise pas son masque dans Memories of Nobody. Le masque de Vizard. Contrairement aux autres films.
Il va s'en tirer. Merci, heureusement que vous êtes venu. Vraiment, ce type est nul. Mais non, ils ont été pris par surprise. Et trois capitaines n'ont rien changé. Il n'y avait rien à faire. Et les autres? Malheureusement, ils ont perdu la trace de l'ennemi. Vous avez du nouveau? Il semble avoir utilisé la Shinenju pour attirer le monde des humains et la Soul Society et les faire s'écraser. C'est possible? Je sais, c'est incroyable, c'est la seule explication. Et la Soul Society, ils doivent être en train d'élaborer un plan. Il est impossible d'attaquer la vallée des cris depuis la Soul Society. Sans entrer, on ne peut pas y pénétrer. Y a-t-il un autre moyen? Comme la Shinenju y est apparue, il doit y avoir une entrée dans le monde des humains. Je vois. Ichigo. Si on trouve l'entrée, on peut les poursuivre. C'est ça, Urara? Oui. J'y vais. Ichigo. On n'a pas le choix, on va devoir chercher. Ichigo, ce n'est pas ta faute. Elle a un fort caractère. Elle a agi sans réfléchir. Au fond d'elle, je ne sais pas qui elle est. Elle a peur. Et moi, je n'ai pas pu la protéger. Ah, tu as remarqué. Le rouge, c'est plus mignon, non? Fais-moi monter au-dessus et je t'aiderai. Quand on est au-dessus, tout est confus. Tout ce qui est confus et en désordre devient clair. Ouais, ça c'est un petit flashback. Pourquoi a-t-elle dit ça? Ichigo, qu'y a-t-il? Rukia, viens avec moi. D'accord. Oula, j'ai Audacity qui galère apparemment. Excusez-moi, je regardais Audacity parce qu'apparemment il galère. Bon, la phase de recherche est grandement abrégée, hein, je pense. Je m'en souviens, j'ai des souvenirs confus de ma vie d'avant. J'habitais par ici. Non, c'est par là. Enfin, ça, c'était pas nécessaire. Alors. Ah, oh, c'est le prix d'ennemis qui gèle. Bon, ok. Ça apportera rien de plus à l'histoire. Ouais. Ok. Quête suivante.
Je surveille également mes orbes. Si j'ai 250, je retente encore un spin, on verra bien. Mais honnêtement, j'ai vraiment manqué de chance. En plus, enfin, j'ai eu un nouveau. Enfin. J'ai eu de nouveau un 5 étoiles qui est tombé, pas de bol, c'est Kaname. J'ai eu une deuxième fois Kaname en fait. Donc voilà quoi, complètement inutile. J'aurais pu avoir un autre 5 étoiles quand même, mais non. C'est Kaname qui est tombé. Une seconde fois. Je trouve ça chiant. J'ai horreur de tout ce qu'est loterie. Enfin, honnêtement, c'est parce que c'est comme ça dans le jeu, mais les systèmes de loterie, je trouve ça totalement injuste. Tout est basé sur le hasard, c'est complètement injuste. Déjà, IRL, faut savoir que je ne joue pas au loto, par exemple. Vous voyez, tous ces jeux de hasard là. Je n'aime pas ça, je n'y joue pas. Donc, je vous avouerai que... Bordel, je veux dire, on pourrait payer les orbes pour les cartes que l'on veut, quoi. Même à payer un petit peu plus d'orbes, mais... Payer 250 orbes pour une carte spécifique, par exemple, on pourrait, quoi. Enfin, ou un marché des joueurs. Mettez un marché des joueurs, quoi. Que les joueurs puissent vendre des personnages, des cristaux, des trucs comme ça, qui a un commerce dans le jeu entre joueurs. Ça serait génial comme truc. Ça serait absolument génial. En plus, c'est pas compliqué à coder. Hein. Que ce soit en fixant les prix dans le jeu, ou alors en laissant les joueurs fixer leur propre prix, un petit peu comme dans l'hôtel de World of Warcraft. Honnêtement, enfin, l'hôtel des ventes de World of Warcraft, honnêtement, c'est pas compliqué à faire. Mais bon, ils sont partis sur l'idée des loteries, alors c'est bon, c'est tout, quoi. Bon. Non, honnêtement, le jeu Bleach est très très bien. Au niveau de l'histoire, au niveau graphisme, au niveau du son, parce que bon, je peux pas vous mettre le son du jeu, mais pour des raisons techniques, et puis certainement pour des droits aussi. Mais il y a 2-3 points quand même qui sont vraiment à chier dans le jeu. Il y a deux gros points négatifs, c'est un, le PVP, et deux, ce système de loterie complètement pété, quoi. C'est complètement à chier. Mais bon. Et le PVP, j'arrête pas de rager dessus le soir. Hein. Je suis retombé en 7ème ligue, là. J'en ai ras-le-bol. De toute façon, je fais les 10... Enfin... Et encore, j'ai même plus envie de faire les 10 combats par jour, quoi. J'ai envie d'en faire que 5, et puis tant pis pour les tickets de merde, là. Honnêtement, j'ai vraiment la rage sur le PVP en ce moment, donc j'ai plus envie, quoi. J'ai envie d'abandonner. C'est vraiment parce qu'il y a des seuls tickets à récupérer quand on fait 5 Brave Battle, mais sinon, honnêtement, j'ai même plus envie de les faire, quoi. J'ai envie de complètement laisser tomber cette partie du jeu, quoi.
Viens, on avance pas dans l'histoire là. J'ai pas skip, hein. Parce que je discute donc. Mais non, j'ai pas skip. Y a juste rien là. Qui est raconté. Ouais, c'est un niveau filler. Bon. Ah. Là, dans la rivière, qu'est-ce que c'est? Ah, ils ont mis un screen quand même de ça. C'est le même phénomène que dans la Soul Society. On peut traverser. Rukia contacte Urara. Je ne peux pas y aller seul. J'y vais. Je vais aller la sauver, quoi qu'il en coûte. Ichigo. Wow. Et si je me souviens bien dans le film quand il traverse, c'est avec la musique Number One, qui est une excellente musique. Can you feel like number one? Où suis-je? Que me voulez-vous? Elle est superbe, les cheveux détachés, je trouve. Je trouve que... C'est vrai que j'avais pas fait attention dans le manga, c'est vrai qu'à ce moment-là, les cheveux détachés... Rien. Nous avions juste besoin de toi pour réaliser notre vœu le plus cher. De quoi parlais-tu? Surveille tes paroles. Le seigneur Genryu est le maître légitime de la Soul Society. Laisse, je ne me soucie plus de ce genre de formalité. 1000 années se sont écoulées depuis que mon grand-père a été banni. Nous sommes devenus des exilés entre les deux mondes, forcés de fuir le Koryu en permanence. Pour ne pas être absorbé, nous avons appris à utiliser les âmes rejetées qui errent entre les deux mondes pour devenir plus forts. Le nombre des âmes est constant. Quand ces âmes exclues du cycle des réincarnations, les Blanks, atteignent un certain nombre, elles créent une dimension, la vallée des cris. Et en même temps, une quantité de mémoire se rassemble et reflue vers le monde des humains. C'est la Shinenju, en d'autres termes, toi. C'est là qu'un problème se pose. Si on met la Shinenju au centre de la vallée, on excite l'instinct des Blanks à rechercher leur mémoire. Cela cause un mouvement frénétique des Blanks et la contraction de la vallée des cris. L'énergie libérée est alors assez puissante pour attirer nos deux mondes et entraîner une collision. Comment? Une perspective effrayante. Et la concentration a déjà commencé. Épargne-nous ces détails. Tu peux nous dire ce qui va se passer. Qui sait si deux mondes qui ne sont pas censés se toucher entrent en contact, un des deux risque la destruction, voire les deux. Combien de temps nous reste-t-il? Je n'ai pas assez de données pour répondre, mais je dirais une heure à peu près. La situation est critique. Préparez le canon à Kido. Nous devons détruire la vallée des cris et les parties qui y ont adhéré. Si nous faisons ça, les dégâts dans les deux mondes seront immenses. Nous n'avons pas d'autre solution. Non, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que cela signifie? Pardonnez-moi, j'accepterai n'importe quelle punition, mais j'ai une information de la plus haute importance. Attendez. Oui, on arrive à la fin.
Donc c'est le dernier tableau, on va certainement réussir à le faire. Et donc ouais, donc on est sur le dernier quart d'heure normalement du film. Memories of Nobody. Attendez, excusez-moi, je me replace juste bien. Désolé, j'ai l'impression que le micro grince. C'est bon. Alors, le seigneur Genryu, les Blancs se jettent sur la Shijinju. Bien. Un rat. Senna, j'arrive. Oh, c'est chelou comment il meurt. En fait, ils baissent la tête et puis ils disparaissent. Oh, waouh. Et puis, j'ai pas fait attention au terrain. J'ai pas fait attention au terrain, honnêtement. Waouh. Classe, classe, classe. Vraiment classe. J'aime beaucoup ce niveau. J'adorerais avoir. Comment? Comment? Des quêtes coopératives avec ça, honnêtement. Dans cet environnement avec les Blancs, honnêtement, ouais, j'aimerais bien avoir des quêtes coopératives. Tiens, ça serait marrant. Enfin, ça serait sympa. Alors, tu en veux encore? Rends-moi Senna. Nous l'aidions à s'éveiller en tant que Shinenju. Elle va devoir endurer la douleur de la peur comme une humaine. Ichigo. Quoi? Non, non. Non. Senna. Je vais voir le. Ouais, ok. Ouais, non, bah, je crois que c'est mort pour. Ah, je suis un petit peu embêté. Parce que j'ai plus beaucoup de place dans ma liste. Non, on va pas faire ça, on va faire ça. Hop. Donc là en ce moment, bah, toutes les cartes dont je peux me débarrasser, bah, je les mets sur Nanaou. Elle me sert à vider justement toutes ces cartes inutiles que j'ai, mais voilà. Hop. Parce que sinon, voilà, tout le reste c'est des 4 étoiles. Donc je vous avouerai. J'ai envie de les garder si j'ai une grosse carte à faire monter d'un seul coup. Honnêtement, je peux me débarrasser de certaines cartes 4 étoiles en les fusionnant, mais bon, je préfère avoir un stock conséquent. Même si là, c'est vraiment abusé pour le coup. Hop, j'en profite, je récupère ça. Hop, et on va terminer. Attendez. Ouais, 224. Ouais, donc c'est. Oh, si, il y a peut-être une chance que j'ai suffisamment d'orbes. Si j'en ai pas suffisamment, ben, ce sera après avoir fait la version difficile. J'aurai assez d'orbes pour refaire un dernier spin, certainement. Bon sang. Ah. Yachiru. Ah, Yachiru. Viens à moi, s'il te plaît. Kenpachi.
Attention à tes pieds. C'était quoi ça? Arrête de perdre ton temps. Vous? Tu voulais tout garder pour toi. Si tu fais une petite fête, tu pourrais nous inviter. J'en ai un peu parlé et tout le monde est venu. Ah, Rangiku. J'aime bien ce... J'avais pas souvenir de cette image dans le film. Mais je la trouve dans une position bien dessinée là. Je sais pas ce que vous en pensez. Laisse-nous nous occuper de ça. Maintenant, vas-y, Kurosaki. Itsugaya, il a la classe, ce mec, c'est ouf. Je kiffe ce capitaine. Ok, je compte sur vous. Encore des blanks. Je trouve ça glace. En plus, qu'ils mettent du temps avant de disparaître comme ça, qu'ils restent debout. Alors que normalement les holos s'effondrent. Là, honnêtement, je sais pas, ça leur donne un certain charisme aux blanks. Honnêtement, je trouve ça classe. Par contre, qu'ils disparaissent dans le noir, c'est un petit peu... Avec une fumée noire, c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû disparaître dans une fumée blanche, plutôt, je pense. Ou avoir un effet de distorsion, un petit peu comme dans le film. Mais bon. Pas forcément évident à faire. Ça demande quand même pas mal de modélisation, je pense. Ils ont fait qu'une animation pour la disparition des mobs et puis ils ont pas cherché à en faire plusieurs, c'est tout. Allonge-toi, Ozukimaru. Myōlai Neko. Lève la tête, Wabisuke. Phase 3 terminée, nous sommes prêts à faire feu. Nous aurons dépassé la phase critique dans 5 minutes. Commandant en chef. Je sais. Nous attendrons la dernière seconde. Cependant... Donc là, côté Soul Society, ils ont préparé un canon Akido pour détruire la vallée des cris et Ichigo et plusieurs capitaines et vice-capitaines sont en train de se battre dans la vallée des cris pour essayer d'arrêter de l'intérieur le clan de Ganju. Voilà un petit peu comment ça se passe. Il est trop tard. Kenpachi qui s'éclate. Tu t'accroches. Oh zut, excusez-moi, j'ai mon doigt a ripé, j'ai pas vu le. Bon, Itsugaya qui sort son Bankai. Draikon Yorinmaru. Eh ben, ça fait beaucoup de niveaux avec des blancs. Mais j'aime bien. Je les trouve vraiment classe, honnêtement.
Attendez, parce que il y a un truc qui me chiffonne. Ouais, c'est quand même les voir attaquer un petit peu quand même, quoi. Ouais, ok, ouais. De toute façon, voilà. Vu la cadence à laquelle ils frappent, honnêtement, on risque pas grand chose en fait. Hein. Ils sont pas très très dangereux. Hein. Ils sont plus classe que dangereux. Hein. On ne te laissera pas atteindre la Shinenju. Accroche-toi. Renji. Fonce Ichigo. Donc, le coup classique de Renji qui prend Ichigo sur la tête de Zabimaru, de son Bankai. Vous n'irez nulle part. Dans ce cas, je vais en finir avec vous. Tu ne m'échapperas pas. Je n'ai pas besoin de fuir. Danse, Sodeno Shirayuki. C'est inutile. Première danse, Tsukishiro. Je t'ai dit que c'était inutile. Quoi ? Prends ça. Je me suis pas vraiment arrêté sur cette image parce qu'elle était un petit peu floue, mais... Grand frère. Ah oui, oui, bah oui, il y avait ces Banzakura quand même de chaque côté. Sois honoré de pouvoir périr par mon Bankai. Waouh, cette position de Byakuya. Classe, la grande classe. Dispersez-vous, ces Banzakura Kageyoshi. Ah, grand frère, allons-y. Byakuya, il est classe, mais j'aime pas trop son caractère. Après, quand même, c'est quand même lui qui nous a donné un des plus beaux combats de Bleach, le premier combat, enfin, le combat Byakuya contre Ichigo, quand Ichigo il a son Bankai, ça reste quand même le combat de référence de Bleach. Même si bon, après, à un autre niveau, il y a quand même Ulquiorra, Vasto de Lordes. Alors là, quand même, c'est... Ça, c'est THE combat, mais bon. Le combat Ichigo-Byakuya reste une référence quand même dans Bleach. Clairement. Bon, on est à 38 minutes, on va finir le film tranquillement. Bon, honnêtement, vu la vitesse en fait à laquelle ils attaquent, on n'a pas grand chose à craindre des Blanks en fait. Donc, putain, j'ai pas fait attention. Encore au. Waouh. J'adore le décor. J'adore le décor. Superbe. Faudrait que ce soit un peu plus dézoomé peut-être, mais sinon ça serait vraiment classe. C'est vraiment classe. Senna, tu crois toujours pouvoir sauver la Shinenju? Bien sûr, je vais sortir Senna de là. Il est déjà trop tard. La Shinenju a commencé à fusionner avec la vallée des cris. Plus personne ne peut l'arrêter. Ferme-la. Je vais te battre et sauver Senna. Bankai. Oh oui. Cette pose d'Ichigo. Tenza Zangetsu. Pendant 1000 ans, notre clan a été obligé de vivre entre les deux mondes comme des créatures misérables. Nous avons supporté ces souffrances jusqu'à aujourd'hui.
grâce à notre haine, grâce à notre volonté de détruire la Soul Society, et aujourd'hui, cela nous est enfin possible. Tu ne m'en empêcheras pas. Bientôt hors de portée, toujours pas de contact, que font-ils? On ne peut plus attendre. Faites feu avec le canon Akido. Ok, quête suivante. Wow, cette image avec Ichigo. Pourquoi es-tu si déterminé? La Shinenju n'est qu'un amas de mémoire des débris qui ont cessé de vivre. Ce n'est pas vrai, Senna, elle existe. Elle doute, elle a peur, elle cherche de l'aide. Et je vais la protéger, je l'égirai sur mon âme. Je comprends, vous tous, vous êtes... Ichigo! Senna. Oh, l'ulti de Ganju. Bon, ce qui est dommage, c'est vraiment, enfin dans le film, enfin en même temps, c'est un film, ça dure qu'une heure et demie ou maximum deux heures. C'est que le background de Ganju n'a pas été suffisamment développé. Il n'y a pas eu assez de flashback pour qu'on s'attache à ce méchant. Tu es bien calme. Et ton énergie habituelle. Oh, tais-toi. Alors, juste avant... Parce que là, ça va être, je pense, la cinématique finale. On va juste regarder. Donc, je vais cliquer sur histoire et pas sur quête suivante. Ouais. Alors, ce que je propose, c'est là, rapidement, je vais faire une toute petite coupure. Histoire qu'on ait les deux dernières cinématiques sans risque de coupure de la vidéo. Donc, à tout de suite. Bien, donc nous nous retrouvons donc juste pour les deux dernières cinématiques. Et je me suis trompé, on est à l'épisode 69 en fait. Le sauvetage est un succès. La vallée se désintègre. Pourquoi l'alarme ne s'arrête-t-elle pas? Ça ne va pas, nous avons dépassé le point de non-retour. Le monde des humains et de la Soul Society fusionne si ça continue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas bon. Comment ça se fait? Ichigo, j'ai peur. Senna. Mais tu sais, je laisserai pas ça arriver. Je laisserai pas ça arriver à ce monde si amusant. Pas à ce monde d'où vient tant de gens. Elle est magnifique, Senna, je trouve, sur ce plan. Pas ce monde où tu vis, Ichigo. Ça ira, les blancs sont encore près de moi. Si je libère leur énergie d'un coup, les deux mondes devraient retrouver leur place. Senna. Si ton monde disparaît, tu disparaîtras toi aussi. Je ne veux pas que ça arrive. Non, arrête si tu fais ça. Je préfère me sacrifier plutôt que de te voir mourir. C'est le moment émotion du film. Et honnêtement, le jeu nous gratifie de superbes images. C'est... Waouh. C'est très très saisissant. Senna.
Senna! Ah, puis la dernière scène du film, qui est très très touchante, qui est plutôt triste. Il y a des explosions entre les deux mondes. Les deux mondes retrouvent une position stable. Le processus de fusion a été inversé. Ichigo, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais voir la tombe de ma famille. Hier, j'ai dit qu'elle se trouvait là-bas, j'ai dit qu'elle se trouvait là-bas, n'est-ce pas? J'ai vécu dans cette ville, j'en suis sûr. Alors, oui. Moi aussi, j'ai dû avoir une famille. J'ai dû être vivante, alors il doit y avoir mon nom sur cette tombe. C'était ici. La quatrième en partant du coin. Il y a mon nom. Ma vision commence à se brouiller. Kazuo Sato et Manabu Sato. Et là, on comprend, pas de bol. C'est pas sa tombe. En fait, elle a jamais existé dans ce monde. Mais bon. Mais Ichigo, elle y est. Oui, elle y est. Voilà. Ichigo va mentir à Senna pour qu'elle trouve le repos. Malheureusement, non, ce n'est pas sa tombe. Tu as vécu dans cette ville. Tu as eu une vraie famille. Je suis si heureuse. J'ai chaud. Nous nous reverrons un jour, n'est-ce pas? Que dis-tu? Bien sûr, nous nous reverrons. L'énergie des Blancs va bientôt se dissiper. C'est vraiment très triste. Elle était persuadée d'avoir vécu sur Terre et en fait tout n'est que souvenir. Et même la tombe qu'elle pensait être la sienne ne l'est pas. C'est méga triste comme situation. Et Ichigo qui, pour ne pas la peiner, est obligé de mentir. C'est très très saisissant comme fin de. Comme fin de film, honnêtement. Et tout ce qui concerne Senna va s'effacer de nos mémoires. Des souvenirs de quelqu'un qui n'a pas existé ne subsistent pas. Même s'ils vont disparaître, pour le moment, j'arrive encore à entendre sa voix. Quelques jours plus tard. Oh, tais-toi, on s'en fiche, ça revient au même. C'est ça, cause toujours. Et là, Ichigo croise une fille qui ressemble énormément à Senna. Donc peut-être une réincarnation de Senna. Et c'est ainsi que se termine le film. Memories of Nobody. Ok, donc le mode difficile est disponible. Je vais l'entamer dès que possible. Quoi qu'il en soit, j'ai 146 orbes. Ah, il me manque 4 orbes. Il me manque 4 orbes. Hop, juste rapidement pour qu'on fasse un spin ensemble. Hop, voilà. Ouais. Et zut, le jeu a planté. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est. Ouais, bah, quand même. Non, je sais pas encore mon réseau qui. Je sais pas ce que fout Orange en ce moment. Juste, très très rapidement, histoire que.
histoire que j'ai suffisamment d'orbes et qu'on refasse un dernier spin ensemble en croisant les doigts sur Yachiru. Donc vraiment, on fait ça rapidement, je saute les cinématiques. C'est comme ça que je joue tout le temps. Hein. En vrai, je tourne et le mode difficile, je m'amuse pas à relire les dialogues. Hein. Je skip et je suis là pour les orbes, quoi. De toute façon, l'histoire, on l'a ensemble en vidéo. Dans ma série, et on a le film original, bien entendu. Je sais pas si le 2 c'est Fate to Bake ou Diamond Dust Rebellion. Il me semble que le 2 c'est Diamond Dust Rebellion. Et le 3 c'est Fate to Bake. Fate to Bake. Hop. Allez. On y va, on va croiser les doigts. Pour toi aujourd'hui. Yachiru, je voudrais Yachiru, c'est possible ou pas? Allez. Yachiru. Oh, c'est pas vrai. Je vais pas me débarrasser d'un petit peu de cartes. Est-ce que je peux fusionner d'ici? Juste pour voir. Ouais, mais je vois même pas où est Nanaou là. Là, elle est là. D'accord, non, si, un faux personnage à mon avis. Voilà, c'est ça. On va juste libérer quelques slots. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, c'est la bonne. Yachiru, Yachiru, Yachiru. Allez! Allez! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non! Oh, putain de merde. Machiru. Eh ben non. Eh ben c'est mort. Eh ben c'est mort. Yachiru, une nouvelle fois, m'échappe lors de... Et c'est encore un personnage qui m'échappe. Oh! Je l'avais pas vu, ça. Le ruban de Senna. Oh, bah dis donc, c'est un truc même que je vais verrouiller pour pas le fusionner par erreur. Enfin, avec les 4 étoiles en même temps, je les fusionne quasiment jamais. Qu'est-ce qu'il fait ce bandeau? Là. Toutes les aptitudes, d'accord. Affinité force. Attendez, je teste rapidement hein, pour voir. Pour voir jusqu'à combien ça peut monter en affinité force. Si c'est un truc genre plus 3%, honnêtement. Ouais, ça va être un truc de genre plus 5%, je pense. Ouais, non, ok. Ça va être du plus 3% en 4 étoiles et du plus 5% en 5 étoiles, quoi. Ça va être un truc de genre là.
Ouais, même pas 2,5% de toutes les aptitudes. Ouais, c'est pas un accessoire très très intéressant, mais il est très joli. Il est très joli, donc. Et puis ça fait un bon souvenir du film, honnêtement. Bon, bah écoutez, sur ce, cet épisode aura duré suffisamment longtemps. J'espère que ça vous aura plu de revivre avec moi l'histoire de Senna. L'histoire de Memories of Nobody, qui est un excellent film qui finit malheureusement d'une façon très très triste, mais qui est. Enfin voilà, qui est le premier film, et les quatre films sont excellents, donc voilà. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme je l'ai dit, et puis je vous dis.